Il a pris le métro depuis la gare centrale jusqu'à la station Malbec. Flanqué de ses gardes du corps, le roi des Belges, Philippe, a ainsi découvert ce mercredi après-midi les hommages aux victimes des attentats du 22 mars en Belgique, comme ce grand tableau blanc, recouvert de centaines de messages. La station Malbec a été la dernière des 69 du réseau bruxellois à rouvrir ses portes ce lundi matin. Le 22 mars, vers 9h10, soit un peu plus d'une heure après le double attentat suicide à l'aéroport international de Bruxelles, un jeune homme, Khalid El Bakraoui, a actionné à son tour sa ceinture d'explosifs dans une rame de métro qui venait de quitter Malbec. 16 personnes sont mortes. Au total, les attentats du 22 mars ont fait 32 morts et plus de 300 blessés.